Et bien sûr tout le monde, c'est Mister Weebug 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 25 de notre incroyable aventure sur Days Gone. On avait une mission, trouver un chien en bonne santé juste en face de nous. Cette fois-ci, je ne commence pas l'introduction dans le menu. Comme d'habitude, prenez un petit truc à boire, à manger. Mettez en 2K si vous pouvez vous le permettre. Profitez de la qualité du rendu et de YouTube pour mettre au maximum. Prenez un casque ou des écouteurs pour être le plus plongé dans cette histoire. Et on est directement donc reparti en enfer avec une première mission qui nous est offerte. On va faire attention parce qu'il y a déjà quelques mutants et ça, fort embêtant cette petite connerie. Très bien. Il doit bien être quelque part par ici. Donc, apparemment, il y a un chien. Des nomades. En bonne santé. Depuis combien de temps vous êtes là, hein? Attendre des embuscades ou convois de ravitaillement? Ouais. Alors, tu sais quoi? Si je peux... Allez, le chien, où que tu sois. Joli. En pleine tête. Ok. Elle est vraiment cool cette arme. Ok, c'est bon. Où je m'installerais si j'étais un kleps? Ben si j'étais un kleps, dans un parc, une niche. Là-dedans. Ah. Ah. C'est la première fois qu'on voit un mutant réagir comme ça. Quelque chose me dit qu'il est... What the fuck? C'est quoi ce délire? Je l'entends. Okay. Il doit pas être loin. Et voilà, il est là-dedans. Le voilà. C'est sûr. Ok, jusqu'ici, pas trop de soucis. Peut-être niveau munitions. Oh! Oh frérot! Attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, frérot? Ah d'accord, faut mettre un appât. Oh, il est tout mignon! Salut mon grand. Salut. Comment ça va mon petit gars? Viens là. Hé, hey, petit. Coucou. Viens me voir. Salut. Hé hey. Allez, viens là. Viens là. Oh, oh. Ok, ok. Oh, bon sang. Ah, ça va, ça va, ça va. Je m'en rends. Fais comme tu sens. Ok. Ok, on va le ramener au camp. Hé hey. Réveille-toi, espèce de flemmard. Qu'est-ce qui se passe, mec? C'est quoi ce bordel? Putain. Oh putain. Hé hey. Comment ça va, Boubo? Oh, doucement, doucement. Hé, hey. Hey, ça va, arrête. Arrête. D'où est-ce que tu sors, hein? Ne me regarde pas. Hé, on dirait que t'as soif. Viens. On va te trouver de l'eau. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, la porte. La porte, elle est énorme, mon frère. Bref, on a trouvé un chien pour Deacon. Et ça, ça fait plaisir. Fais comme tu le sens. Et le camp d'Iron Mike qui monte encore, c'est pas une vie incroyable. J'ai beaucoup de points à m'attribuer, c'est-à-dire le nombre incroyable de 3 points de compétence. On va se l'attribuer. Bon, ça avance plutôt bien. Régénère l'endurance à chaque ennemi tué au corps à corps. Qu'est-ce qu'on a juste après? Capacité à faire une roulade rapide pour se rétablir d'un renversement, c'est pas mal. Capacité à étourdir un ennemi humain normal ou un grouilleur après une attaque de mêlée. En cas de sprint, et donne aux armes de mêlée. Ok, là j'ai lu comme un débile. Très bien, très bien. On a des trucs très très lourds. Rechargement rapide sous pression. Oh lolo lolo lolo. Augmente la précision des armes. C'est assez insane. Capacité à recharger vos armes à projectiles pendant un sprint.
réduit largement le recul des armes à projectiles. C'est insane, on prend. Ok. Maintenez L2 et appuyez sur R2 pour tirer avec une arme à projectile. Le recul des armes, ouais, bon, jusqu'ici. Niveau de compétence 4 débloqué. La consommation de concentration s'arrête quand vous rechargez une arme à projectile. Réduit le temps nécessaire pour recharger vos armes. Et augmente la précision des armes. Et ça, j'en ai besoin. Je pense que c'est pas de trop. Tireur d'élite, précision augmentée. Je suis hors de contrôle. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Augmente la quantité de viande récupérée sur les animaux et met les ennemis en surbrillance en mode survie. Allez, pourquoi pas. Voilà, et comme ça, on a aussi déverrouillé le niveau de compétence numéro 4. Et c'est parti. On va à la recherche de la prochaine mission. Hey, t'es là? J'ai besoin que tu viennes me rejoindre. Je suis là, Schizo. Tu vois quoi? Je suis occupé. Écoute, je sais que t'essaies d'aider le camp et moi j'essaie de t'aider à aider le camp. Retrouve-moi derrière le chalet. Terminé. Très bien. Putain, Schizo, ça a intérêt de valoir le coup. Ok, derrière le chalet, on y va, les gars. Je sais pas ce qu'il veut le Schizo, mais c'est bizarre aussi la relation Schizo et Deacon. Un coup, on se comprend pas et... Un coup on s'aime, un coup on s'aime pas. Bon, ben me voilà, qu'est-ce que tu veux? Attends. Viens, entre. Schizo, qu'est-ce qui se passe? Je te montrerai si tu entres. J'ai réfléchi à ta petite idée. Celle qui consiste à sceller la grotte au nord du camp pour empêcher les hordes de traverser nos cultures. Ok. Le souci, c'est que Mike a pas de cordon de détonateur, c'est bien ça? C'est ça. Je sais où tu peux en trouver. Juste ici. Non. Je sais ce que tu te dis, je sais, c'est en plein dans le territoire des Reapers. La dernière fois que j'y suis allé... T'as chopé des médocs qui ont sauvé ton pote. Écoute, on chope les cordons, on fait sauter la grotte et boum, plus de horde. C'était ton idée, putain! Écoute, ils ont scellé cette putain de frontière et cette saleté de tunnel. Si je mets les pieds là-bas, je déclencherai une guerre. Mais j'ai un plan. Et en plus, je viens avec toi. Je courirai tes arrières. Prends un maximum de matos, d'accord? On n'en aura peut-être pas besoin, mais restons prudents. Et puis rejoins-moi. Ici. Il y a un sentier qui traverse Iron Ridge. Quoi? Et de quoi tu parles? Et confiance. Nom de Dieu. T'en es? À tout à l'heure. Aïe, 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 ça sent pas très bon. Essayez d'aider le camp. Ça monte. Eh, c'est de la confiance gratuite, clairement. Je prends direction 854 mètres. Où est ma moto? On va récupérer notre moto, les gars. Faut pas abuser quand même. En plus, je l'ai pimpé un maximum, j'ai rajouté des flammes sur le carbu et j'ai mis un kit ninja. Incroyable la vitesse que j'ai gagnée. Et j'ai surtout gagné en style. Depuis, tout le monde veut me pécho en ville. Donc on va récupérer la moto calmement. Elle est loin cette putain de moto. Et on est parti direction la suite de notre aventure. On va prendre ce petit chemin des familles. Oh la vache, je suis jamais habitué. Je m'habituerai jamais. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, maintenant c'est derrière. Yes. Ça va, hein. C'est bien foutu. Ce camp de mort, là. Putain, c'est les States. Faites un quadrillage débile. Comme vous avez l'habitude de le faire. Étant donné que c'est un nouveau pays, je vous cache pas que là-bas, pour circuler, c'est pas très difficile. C'est un damier. Vu de haut sur Google Maps, c'est plus facile que nos routes en France. Nos routes en France, c'est un bordel, hein. Je vous cache pas que c'est peut-être drôle. Tu serres les fesses, frérot. Parce que tu risques de bouffer tes jantes, hein. Bref, ça c'est des histoires, voilà, c'est des histoires d'adultes comme on dit dans le milieu. Allez, on sort de ce camp de merde. Putain, mais incroyable. Pression d'être à Vesoul, gros. Hop, voilà, cascade, ça fait plaisir. Allez, on met un max de turbo ici. Je suis prêt. Viens, n'est pas le point de rendez-vous. Laisse tomber la poêle. Ouais, j'y serai. Combien de drifters vous avez buté aujourd'hui, hein? Ouais, ah, ça a dû y aller. Ah, cascade! Putain, je les ai pas vus. J'ai pas vu que c'était des méchants. J'ai vu un mec à terre. Bon, j'ai abrégé ses souffrances, hein.
Je suis un pote. Hein. Oh putain. Ok. C'est horrible. Ça attire une horde, hein. Allez, ça on fait pas les cons. Ouais, Jacob, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai donné le chien à Boozer et ça a marché, t'avais vu juste. Ça me fait plaisir. T'es un bon ami pour lui. Il a de la chance de t'avoir. Ouais, je sais, ouais. Ouais, je suis un peu un frère, c'est normal, ça me fait plaisir. On arrête les conneries. C'est quoi ces chemins de mort ? Dick, ici Lost Lake, tu me reçois ? Non ? J'ai pas le temps, monsieur. Ricky. Bah oui, j'ai pas le temps. Hé, hey, une mission se lance. Tu devras te répéter. Fais comme tout le monde, fais la queue, hein ? Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Voilà ce qu'on va faire. On va passer par leur porte de derrière. Quoi, à pied ? Tu m'as pas dit qu'on y allait à pied. Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois que t'as sorti ta pétrolette ? Pas faux. Hé, hey, ils y verront que du feu. Ok, combien de pourcentage de chance que le plan soit parfait ? En fait, à peu près 3%. Mike m'a dit qu'il t'a chargé de parlementer avec Carlos. Attends, le vieux te l'a dit ? Non, c'est bon. Ok, j'imagine que c'est pas grave que tu sois au parfum, vu que ton pote et toi faites partie du camp maintenant. Ça a dû bien se passer, vu ce qu'on est en train de faire. T'appelles ça comment, déjà ? Hein ? Passer par la porte de derrière ? Ok. Quoi, la rencontre ? Ouais, ça s'est passé nickel. Autant essayer de négocier avec des macaques sous PCP. Mais tu sais quoi ? Tant qu'on se fait pas pincer ce soir, le traité du vieux pourrait bien tenir en fin de compte. Malgré la prise de bec qu'on a eue avec eux au camp Rogue, Boozer et moi ? Hé ! Hey, Carlos a dit que c'était un malentendu. Des Reapers rebelles, tu vois le truc ? De toute façon, il a dit que ça se reproduirait plus. Et tu le crois ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je suis juste un larbin de Mike, comme toi. Ok, il y a un loup. Un petit coin de famille. T'as entendu ? Ouais, des loups. Tu crois qu'ils sont infectés ? On va vite le savoir. What ? Ce serait énorme. Comment t'es passé l'autre fois ? Il y avait une vieille échelle en bois laissée par des mineurs ou des spéléologues, je sais pas trop. J'en ai besoin. Par là, fais-moi la courte échelle. Ok. Bref. Vas-y mon bro. Ouais. L'émission avec lui dure assez longtemps. Vas-y. En vrai. On en a une dans une mine, c'était éternel. 3h30 à peu près. C'est bon. Fouille les environs. Ah d'accord. Essaye de trouver l'échelle. Yes. Moi je vais jeter un œil. Allez. Bien me faire enculer. Mais magne-toi, faut qu'on ait quitté le territoire des Reapers avant l'aube. Ok. Une petite pioche des familles. Attention, des loups. Bah, reviens. Je m'en occupe. Calmez-vous les gars. Ok. C'était le dernier. Hop, ça je prends. Hein. Double viande mon pote. Schizo, t'es passé où ? Minute, je l'ai trouvé. J'ai plus que 10 balles et ça c'est chaud. Je vais sortir le petit fusil à canon scié. Parce que j'aime pas trop ça. Voilà, t'énerve pas, Deacon. Hein. C'est peut-être la casquette qui lui va pas. Hein. Je trouve qu'il est mieux sans casquette. Hein. Quand il était torse nu, il avait du swag quand même. Hein. Attention la tête. Ok. Bon, attends, je suis loin. Hein. Sinon, sacrée échelle, mon pote. Hein. Attends, je comprends pas, gros. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Sacrée échelle, en tout cas, hein, ma gueule. Hein. J'ai trouvé une carte dans les papiers de Mike. Elle indique des sentiers de la direction des eaux et forêts. Je suis sûr qu'Iron Mike approuve que tu fouilles dans ses affaires. Tu sais ce qu'on dit, pas vu, pas pris. C'est ça. Bref, on voit que le sentier est en mauvais état. Il a été marqué comme fermé sur la carte. Hop,
On va se soigner. On est près de 100 de vie. On est à 100 de vie. Sur 125. T'as vu ça ? Ok. Ouais, un feu de joie des Reapers. T'en avais déjà vu avant ? Non. Ils appellent ça la communion. Pareil qu'ils font tout un tas de trucs dégueulasses. Ha. On va le contourner. Je veux pas voir ça. Tu déconnes, moi je veux voir. Hein ? Tu veux mourir ou quoi ? Plus maintenant. Écoute, je veux juste voir de mes propres yeux ce que font ces fils de pute avec leur histoire de renoncement, toutes ces conneries. Ok, ok. Mais on reste ensemble. Si on se sépare, on sera dans une merde noire. Après toi. On dirait des soirées de techno, frérot, là. Ils sont sous drogue, on va pas citer de blaze. Qu'est-ce qu'ils ont, là? Putain, j'ai envie de te mettre une grenade là-dedans. Hey, attends. Scarification. Ouais. Je connais un gars qui avait passé un de leurs rituels ou je sais pas quoi. Il a dit qu'ils étaient défoncés au PCP ou à un truc dans le genre. Ils ressentent plus la douleur. Bon, on va faire le tour. Tu lis dans mes pensées. Je vous avais dit quoi ? Les soirées techno là, sous drogue. Non, jamais comme ça. C'est ça qu'il faut pas se mettre. Si on se fait choper, on n'aura pas assez de balles. Ah, clairement pas. Ok. Je les re-remarque au cas où. Parce qu'à mon avis, on va devoir se les taper. T'as une petite... Et je peux prendre une arme. En vrai, j'irais bien les désinguer. Une balle chacun, emballer c'est pesé. Ok. C'est sympa leur camp par contre, hein. Ils ont des sacrés baraques. Hein. On va où mon pote ? Oh putain. Baisse-toi, merde ! Faut qu'on s'éloigne de la route. Ouais. Viens, on se taille dans la pampa. T'es sûr que tu sais où tu vas ? C'est moi ! Ok, ça sent pas bon. Bon bah j'ai reperdu les marqueurs que j'ai par là. Ouais, pourquoi ? Je venais par ici en moto, à l'époque. Quoi ? Ma régulière bossait dans le coin. Il y avait un labo de recherche à l'est d'Iron Butt Lodge. Bref, je venais par là. Je t'assure que le site de transport est de l'autre côté. On continue par là. Tu verras, c'est par ici. Ok. Ça va partir en couille. Ça se trouve, imaginez Schizo, c'est un traître. Ça serait énorme. C'est un traître et il travaille avec les Reapers. Oh, ça serait insane, vu qu'il veut faire tomber Mike. Ah, attends. Toujours utile. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Putain, c'est quoi ça ? Les Reapers, ils utilisent des cornes de brume pour attirer les mutants. Viens. Wow, on va avoir une horde là, non ? Elle est morte ? Ils font quoi là ? Rejoignez-nous ! Soyez libres ! Va vous tromper ! C'est quoi ça ? Supprimez cette peine ! Viens ressentir la douleur ! Non, okay. Non, fous-leur la PLS, on n'est pas ici pour déclencher. Attends une seconde, rien qu'une seconde. Oh putain. Au secours. Quelqu'un, pitié. Viens. Aidez-moi. Amène-toi, faut qu'on bouge. Non, on va pas la laisser aux mutants. Quoi ? Non. Hé, hey, on est... On part pas sans elle. On n'est pas venu ici pour ça, d'accord ? Bon, ok.
Je l'ai. Chut. Ah, elle a les jambes cassées. Elle ira nulle part, mec. On peut pas moisir ici. Alors vas-y. Hé, petite. Tout va bien se passer. Ça va aller. Chut, ça va aller. Tout va bien se passer. C'est fini, voilà. Putain, les bâtards, ils lui ont brisé les jambes pour pas qu'elle se barre, trop bien. T'as fait ce qu'il fallait, tu sais. Lâche-moi, Schizo. On a tous dû faire. Lâche-moi. Ok, c'était stylé, j'ai bien kiffé la scène. Je vais être très honnête avec vous, j'ai bien kiffé la scène. Mais Schizo, tu m'en mets où, là, gros, là? Tu m'en mets dans trois caravanes, frérot. C'est quoi l'embrouille? Qu'est-ce qui va se passer encore? Oh putain, d'accord, des hangars. Mais merde, baisse-toi. Ah, quoi? Oh putain, quoi encore? C'est une putain de horde. Non, ça c'est pas une horde. Putain, c'est quoi là? What? Les Reapers. Allez, on y va, bouge. Mais c'est quoi leur but là? C'est de se comporter comme des mutants ou quoi? Ils sont complètement tarés ces mecs! T'as déjà vu leur chef, Carlos? Non. Il a l'air encore plus dingue. Il a des cicatrices partout, dans le dos, sur les bras et les jambes. C'est ce que Entrez je dans les locaux du site de transport. On peut pas avoir un traité avec des cinglés. Je te l'ai déjà dit, Schizo, je me retournerai pas contre Iron Mike. Ok, on peut fouiller aucune putain de caisse. Viens, il doit y avoir une autre entrée. Hé, attends. Je tourne d'abord un œil. De quoi tu parles? Viens, on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Alors jetons un coup d'œil. On trouvera peut-être des trucs utiles. Ouais, pourquoi pas. Ok. Fouille un peu et vois si tu dégotes quelque chose. C'est en train de pré-shot que ça va partir en couille, c'est moi qui vous le dis. Fabriquer, on peut pas. Je peux faire des... Voilà, carreaux spécial. On va garder les carreaux à résidus au cas où. Qu'est-ce que t'en dis? On a cette part. Chose. Que dalle. Ah, pas moyen. GG, gros. Attends, ralentis, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Faut qu'ils arrêtent d'écrire avec du sang. Il y aura personne. T'inquiète. Hop. Voilà. Oh, tu prends ta part. Mon cul qu'il y aura personne, hein. J'ai rien compris. Il m'est tombé dessus en un éclair. Ok. Ah, on peut pas mettre de silencieux sur le canoncier, dommage. Ok, on a encore de l'essence à gogo. Très bien. Rien d'intéressant par ici. Ça peut arriver. Eh, Dick. Ouais? Je t'en dois une. Je suis sérieux. Ah, c'est rien. Occupons-nous. Je l'ai pas vraiment sauvé, hein. Hé, hey, viens m'aider. On peut passer par ici. Non, je le sens moyen. Dépêche. Ok. Il y a une horde de l'autre côté. Tu comptes toujours rentrer? Est-ce qu'on a le choix? Prêt? Tire!
passe en dessous, je tiens. Non, non, toi t'y vas, moi je tiens. Allez, 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 tiens-la pour moi. Oh merde. Putain. Oh, c'est bloqué. Tire. Non, bloqué. Ok. Non, non, c'est bon, ok. Fais le tour. Je vais tâcher d'ouvrir l'autre porte à l'intérieur. Ça, c'est bon. Ah! Dick. Dick. Ok. Sors. Et sors. Ça te plaît? Hein? J'ai beaucoup de munitions. T'en as encore? Ok. Ils sont un peu chelous là-dedans. On va passer par ici. Ils sont horribles hein, ces petits trucs hein. Ils sont pas très agressifs. Ah oh putain salope. Fais ça. Allez dans le cul. Oh tu m'as fait tellement peur. Ok. Mange tes morts. Ok, je peux monter là-haut? Non. Ici. Hop, petite cascade. Ici. On peut rien faire. Mange tes morts. Ok. Il m'a fait tellement peur. Voilà. Bon, lui, je m'y attendais, je l'avais vu, mais je pensais juste pas qu'il allait me sortir comme ça. Putain, c'est quoi? Ok. Avec de tétard enragé, à ton avis, c'est pas c'est quoi? T'énerve pas, Deacon. Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais on est là, mon pote. Voilà, voilà, c'est ouvert. Ça va, hein, j'ai déjà fait le ménage, il est bien, lui. Hein. Ça va? Ouais, c'est juste un tétard, pas vrai. Amène-toi, on ferait mieux de trouver des cordons de détonateur. Ok, hop, croyez-moi que j'ai tout ramassé, hein, mon pote. Hein. Les oreilles de tétard, c'est pour Bibi. Ok, on va passer par ici. Y'a pas une oreille pour moi, les frères? Lâche tes oreilles, mon pote. Ok. Bon, je devais passer par là, à mon avis. J'étais sur le bon chemin. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Allez, dépêche-toi, Deacon, putain. C'est long. Je dois y retourner. Tu penses quoi? Le bureau du contremaître est là-haut. C'est là qu'il devait les ranger. Génial. Comment on va monter là-haut? T'inquiète, mon pote. Viens, je vais te faire la courte échelle. Attends, attends. Tu veux que je passe le premier au cas où il y aurait des trucs en haut? Oh, t'as vu clair dans mon jeu. Allez, grouille. Ouais, d'accord. Hop, c'est pas du tout là-haut. Allez, ça quel plaisir. Bon. T'es prêt? Ouais. Monte. Allez. Monte. Oh la vache. Ok, j'y suis. Deux secondes. Trouve un truc qui me permette de monter. Tiens. Attention à la tête. C'est éclaté. On va dire que ça va aller, hein. Alors. Dis-moi tout. Régale-moi, mon frérot. C'est long. C'est bon. Voilà, j'ai été serrurier. Eh, hey, ça doit être ça. Bingo. Tiens ça ouvert pendant que je me sers. Pourquoi c'est pas moi qui le prends? Tu me fais toujours pas confiance? Bah en fait... Si. Allez viens, on a assez traîné ici. Hein? Schizo, je voulais juste te remercier. Non, c'est rien. De m'avoir accompagné, de m'avoir aidé. C'est bon, arrête. Non, je suis sérieux. On n'était pas franchement les bienvenus à Lost Lake. Oublie ça, d'accord? Fermé. C'est tellement mignon. Ils deviennent copains. Même si ça va partir en couille à l'instant où on a passé cette putain de porte de merde.
Hé, hey, Schizo, une fois qu'on sera rentré au camp, ça te dirait de laisser... Qu'est-ce que tu fous? Désolé, mon pote, mais j'avais pas le choix. Ah! Eh bien, c'est la merde! Tu sais qui je suis? Non? Je croyais que les Reapers avaient pas de nom. Nous suivons la voie. Mes disciples. Mes disciples ont tous abandonné leur nom. Tous sauf moi, pour l'instant. Hein? Carlos. J'ai gardé mon nom, et mes souvenirs aussi. Je me rappelle, le jour où Boozer, Jazz et Jim et toi m'avaient tenu, pendant que Jack me collait un chalumeau dans Jesse, ton... c'était il y a longtemps, on n'avait pas... Oui, je me souviens des cris, ça fait rien. Je me souviens aussi de ce que j'ai appris ce jour-là, une leçon importante. Tout ce qui définit quelqu'un, tout ce qui fait de toi qui tu es, tout peut être réduit en cendres. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, à part ton nom. Les mutants sont comme ça, tu sais. Ça aussi, j'ai appris. C'est pour ça que nous devons leur ressembler. Ok. Qu'est-ce que t'as à faire avant que je crève d'ennui? Oh, ça vient. Ne t'inquiète pas. Deacon St. John. Oh. Mais ça va pas jouer entre toi et moi, quand... On va pas régler cette histoire sans ce cher Boozer, pas Frank. Nous devons en finir tous ensemble. Tous les trois. Et de 1. Sur combien? Une douzaine, je dirais. Peut-être plus. C'est quand même drôle, non? Qu'on survive tous les trois. Toi, moi et Boozer, une sacrée chance. Et qu'on se retrouve ici, à la fin du monde. Qu'est-ce qu'on t'a fait, hein, Boozer? Il n'est pas encore là. Mais j'y travaille. Ça ira vite. Ah! Aïe, aïe, aïe! C'est bien toi. Je les ai vus t'amener ici. Lisa? Non. C'est plus mon nom. Je suis sur la voie. J'ai plus de nom à présent. Personne n'en a. Tous ceux que j'aimais. Profondément. Sont morts. Lisa, écoute-moi. Tu sais... Pourquoi on veut être comme eux? Être comme les mutants? Non. Parce qu'ils se souviennent pas de ce qu'ils ont perdu. De ceux qu'ils ont perdus.